Bonsoir, un message, c'est Sim Sim et on se retrouve pour un nouveau génie. Et comme vous pouvez le voir, je suis tombé sur Spiritomb. Oh là là, il est vraiment magnifique, je suis vraiment trop content d'y tomber dessus. Ça faisait tellement longtemps que je le chassais et je l'ai enfin trouvé. Je suis vraiment trop content, il est vraiment super beau. Il m'a flashé direct quand je l'ai vu. Oh là là, c'est incroyable. Donc là, j'essaie de pas parler trop fort parce qu'il est assez tard, il est 1 h du matin. Je voulais faire quelques petits resets avant de m'endormir. Et voilà qu'il apparaît. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc, ça fait une éternité que j'ai pas trouvé de Chani sur ma diamant. Le dernier en date, c'est Motisma. Donc, après Motisma, j'avais commencé à chasser Spiritomb et depuis, bah, je suis devant et je galérais à le trouver. Il est enfin apparu après 17 000 et je sais plus combien de resets. En tout cas, je crois que c'est 17 800 resets en tout, en simple, sur ma diamant. Donc voilà, pendant tout ce temps, bah, j'étais en train de chasser Spiritomb et j'ai bien galéré. Donc voilà. Je l'ai enfin trouvé et je suis vraiment très content. Donc c'est un mâle. Donc ça va bien avec sa couleur. J'en viens pas en fait. J'en reviens pas que je suis en train de faire une vidéo de Spiritomb Chani. Je n'en reviens juste pas. Donc j'étais en train de regarder une vidéo de mon collègue Eresesio de son room tour. Donc voilà, tu m'as porté chance, poteau. Ça fait plaisir. Putain, je suis trop content, les gens, c'est un truc de fou. J'arrive pas à réaliser. Tout simplement. Je l'ai enfin après 2 ans de recherche à peu près. Enfin, 2 ans de recherche mais avec des pauses, hein. Sinon je l'aurais trouvé bien plus vite. Mais bon, l'essentiel c'est que je l'ai trouvé enfin. Il était temps. Malheureusement je l'ai pas eu en live, mais bon, c'est pas très grave. Je le faisais très peu souvent en live, donc ça me dérange pas, ça me dérange vraiment pas. Donc voilà. Donc on va pas trop s'attarder. Je vais commencer la capture parce qu'il est quand même assez tard. J'aimerais bien finir assez vite la vidéo. Malgré qu'il soit très très beau. Pour les chenilles que j'apprécie, j'aime bien faire des vidéos longues, mais là je pense que je vais pas trop m'attarder. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lui lancer des boules. Je vais lui lancer des boules et si je vois qu'il rentre pas, je lui ferai un frappe Atlas. J'ai fait des tests, normalement il meurt pas. Mais bon. Pour commencer, on va le capturer sans l'affaiblir. Donc c'est parti. Pour l'instant, la batterie va bien. Ah, les étoiles de diamant, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Ça fait un petit moment que j'ai pas trouvé de chenille sur ma diamant, vraiment. Depuis Motisma, vous vous rendez compte? Ça fait une éternité. Donc je vais continuer un petit peu à lui lancer des boules et si je vois qu'il rentre pas, je lui ferai un frappe Atlas. Normalement, j'ai fait des tests, il ne meurt pas. 3. Ah bah j'en aurais pas besoin. Il est rentré assez facilement. Putain, je suis trop heureux. Pokémon interdit. Spiritomb. Oh là là, magnifique. Les gens sur Skype, ils vont pas en venir que je l'ai trouvé. Donc, donation, non, non, je veux juste sauvegarder là en fait. Donc, et je l'ai pas dans ma team, il me semble. Ah, si, 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 je l'ai dans ma team. Parfait. On va faire les paris nature direct. Et je ferai les rencontres après. Donc, moi je parie discret, Vincent calme.
Hérit ses yeux mauvais. Artie, je ne sais pas. Sinon, il y a qui? Il y a Alexis, que je ne sais pas non plus. En fait, je connais pas trop les paris nature, pour être honnête. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, il est relax. Donc, c'est pas trop mal, je pense, parce que c'est un Pokémon qui se joue quand même assez défensif. Donc, je pense que c'est une bonne nature. Donc, c'est bien. Je pense que c'est très bien. C'est même excellent, je pense. Donc, on va sauvegarder. J'ai pas grand-chose à dire, mais est-ce que. Il est un peu tard. J'aime pas trop faire des vidéos quand il est tard, malheureusement. On va aller faire des rencontres. Bah, ici, ça sera parfait. Bon, je fais des petites preuves Noël, voilà. Monsieur Mime. Tout à fait normal. Voilà. Allez. Je vais vous montrer ces étoiles. Putain, je suis trop heureux. Franchement, j'arrive pas à y croire en fait. Je suis un peu choqué. Je m'en rends pas compte en fait. Ça fait tellement longtemps que je le chasse. J'arrive pas à croire que je l'ai enfin. Que je l'ai enfin. C'est ouf. What? Are you serious? Putain, il est trop beau, quoi. En fait, j'adore le trio des spectres de Sinnoh, genre Autismat, Spiritomb et Baudrillard, je les adore tous les trois. D'ailleurs, je pense que après Spiritomb, j'enchaînerai par Baudrillard. Normalement, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, après, en 2 ans de chasse, j'ai eu le temps de prévoir ce que j'allais faire après. Mais normalement, je pense que je vais enchaîner Baudrillard directement. Voilà. Magnifique. Ah, il m'a fait chier quand même, ce petit Spiritomb là, j'ai bien galéré. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plus de 17 000 resets, je sais plus trop exactement, je vous mettrai dans le titre. Mais en tout cas, j'ai bien galéré. En fait, cette version, elle me fait de gros chiffres et elle me fait des petits chiffres. C'est jamais entre les deux en fait. C'est vraiment très très bizarre. Donc je vais re-sauvegarder. Putain. J'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est fou. Je suis trop content. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai vite fait le tour. Et j'ai pas trop envie de m'éterniser non plus. Donc je vais finir par les dédicaces. Donc dédicace à Vincent SH, à Articodin. À Irisesio, à Alexis, à Alec. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire dans le pari nature, Alec, désolé. Articodin, Alec. Et aux autres personnes qui sont dans la conve. Vous vous reconnaîtrez, je pense. Donc, on va se laisser là, les gens. Je fais une dernière rencontre. Et on se dit à bientôt pour un nouveau chenille. Allez, à très bientôt.